Salut à tous, c'est bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou Ça va très bien toi Ça va très très bien, abonnez-vous à notre chaîne Orcana. Voilà c'est dit. C'est dit, on a lancé une chaîne Orcana, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, si vous ne voyez plus de, de l'Orcana sur la chaîne TV, c'est normal, l'Orcana est, est sur la normal. chaîne Orcana, lien dans la description. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. On fait du magic, on se régale, on fait d'autres TCG sur la chaîne TV, on fait des replays, on se régale. Mais si l'Orcana vous intéresse ou vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir soit les vidéos déjà sorties sur la chaîne TV qui sont toujours là, soit les nouvelles qu'on sort sur la chaîne L'Orcana. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? Simon Nielsen, avec son petit deck soldat, il a ramené, on a dit Ah bon, il joue soldat. Il a fait une énorme perf, il a fait top 8 au World, on a dit Ah bah il joue soldat, il a raison. Ça a très bien marché. Et les ouais. gens nous l'ont demandé en commentaire. On a effectivement déjà joué soldat, mais pas la nouvelle mouture avec les vertus de loyauté, les chevaliers errantes, le garde du corps. Bah c'est surtout que le deck s'appelle soldat, mais ce pas un deck soldat. Et c'est pas un deck, deck soldat. C'est un deck token un, euh, Azurus, un... Midran, euh, Agro. C'est ça. C'est un deck token qui ne bénéficie pas du tout de la tribalité soldat parce qu'on ne joue pas toutes euh, les cartes qui synergisent avec des soldats. Ni le 2-3 bleu pour 3 qui permet euh, de piocher des cartes, ni le. Seigneur soldat, le Lord à deux manas qui permet de buffer les soldats, c'est vous dire comme ce deck, en fait, il s'appelle soldat, mais pour rien, alors qu'on a plein de cartes non soldats, comme le vétéran lunarque, euh, comme la vertu de loyauté qui va euh, pondre un 2-2 de chevalier, comme la chevalière errante, comme le, le renard chevalier, donc voilà, c'est vraiment pas un deck soldat, c'est un deck qui va juste prendre le board. La seule synergie euh, soldat qu'on va avoir, en fait, c'est Arbin, ouais. qui, euh, si se trouve que vous avez 5 euh, soldats ou plus, va faire voler euh, euh, votre l'entière. Exactement, et du coup on joue quand même 4 têtes de pont fortifié, mais suivant les Alors sorties, tu peux, euh, tu peux te retrouver un peu chocolat, quoi. Bah t'as quand même 12 drop euh, 1 et 2 qui quand te même permettent de révéler des... 14 drops 1 et 2 qui te permettent de révéler un... So un révéler... Je sais plus parler, de révéler un soldat, ah, bon, donc bon, donc bon, Ça bon. devrait aller pour euh, tête de pont fortifié Ça va, une carte sur 4, ça devrait le faire. Mais c'est vrai qu'il y en a moins que dans le deck soldat, donc je euh, peux te demander, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau Ouais, on a vertu de Loyauté qui donne un late game, en fait, qui fait que si le board... Euh, euh, stall, donc c'est à dire que le board ne bouge plus, euh, vous pouvez pas attaquer adversaire non plus, et il y a une chalonade par exemple qui vous grignote. La euh, bah, vertu de loyauté, ça va mettre des marqueurs et vous là. allez vite pouvoir attaquer, surtout s'il y a Arbin qui traîne. Chevalier qui fait un énorme taf de trouver une voire deux bêtes, suivant avec combien de cartes on a convoqué euh, pour, pour refill un petit peu la main et continuer de, de mettre de la pression, notamment en flash, puisqu'on a sentinelle et renfort résolu qui se flash, ce qui permet de garder des contre-up. En fait, on a un petit peu le côté on joue en tour 1. On garde contre-up euh, ou bête en flash tour 2. Tour 3, on fait un, une grosse annonce du mariage et, euh, et ensuite on se régale. Ou alors on fait encore un drop 2 style renfort résolu et une rendez-vous. Ça marche très bien. Ça aussi, c'est en flash parce qu'on dirait un deck qu'on a déjà présenté, mais en fait, c'est un tout nouveau deck ouais, euh, qui se c'est ni soldat aggro, ni soldat tempo, qu'on avait vu briller notamment mmh. lors du Mythic Championship 3. Euh, là, c'est vraiment deux. un deck euh, Azorius un peu midrange et qui va maximiser sur les effets de résilience. Donc, ce n'est pas un deck tempo euh, ni aggro, c'est-à-dire que ta sentinelle de Zephyr, là où avant elle était jouée dans une optique tempo de un flash que vous allez jouer en fin de tour à la place de jouer des contres, en fait, ta sentinelle de Zephyr elle sert juste à faire plus de chevalières. Exact. Donc, ton plan, ça va être d'établir un board très très large, de pouvoir refaire des effets larges. De prendre tes anti-bêtes, voir tes anti de masse et d'être capable de reconstruire parce que le deck est extrêmement résilient. C'est mmh. ça qui est amusant avec ce deck-là. Une autre manière de voir le, le jeu Azorus euh, aggro avec un sous-thème soldat. Et, euh, et franchement, euh, la liste de Simon Nielsen, bah, j'imagine que c'est lui et sa team qui ont euh, broué et inventé ce deck-là. Bah, il, euh, il était assez, euh, assez satisfaisant ouais. à voir tourner. Quoi. Ouais, bah, c'est pas juste on prend euh, Azorius soldat et on se dit tiens, on n'est pas trop attendu, on va bourrer les gens. Non, on a vraiment ouais. une mouture une spéciale, année, comme tu le hein. dis. C'est ça. Euh, qui, euh, qui a beaucoup plus changé Mind deck que dans le site d'ailleurs mais ça, ça marche très bien de toute façon il a fait top 8 et, et je crois que c'est un des meilleurs decks qui a enfin un des decks qui a le plus de performance standard ouais il a fait tu 8 vois, victoires là, actuellement euh, sur tous les MTGO challenge ou les gros tournois euh, internet il y a beaucoup beaucoup d'azurus soldier c'est un deck mm. qui est vraiment puissant ouais donc et euh, qui s'appelle soldat solide. encore une fois euh, malheureusement à tort hein. c'est pas ouais. vraiment un deck soldat ouais, t'as 25% du deck quasiment qui est soldat quoi mais c'est pas c'est pas, euh, pas l'unique synergie disons ça En side, on a toujours les petits flams de lanterne, anti hein, bête qui mange bien quand tu as du board. Protéger les négociateurs, deux mind deck et deux en side, deux gardes du corps de renard, euh, garde du corps renard garou pardon, deux en side, deux main deck également, une petite impératrice vagabonde et une deuxième juste ici. Ça fait plaisir. On mange, on joue quand et même blanc. contrôle c'est plutôt bien et puis c'est ça. Plus, ça participe à la stratégie token donc. Exactement. Euh, D'ailleurs, c'est marrant quand tu joues midrange Contre contrôle, t'as pas forcément envie de garder tes impératrices par rapport à ce que tu sides, mais quand tu joues comme ça, plutôt aggro, t'as envie de les rentrer pour avoir plus de, de menaces différentes quoi. Bah parce que Midrange a déjà pas mal de plans pour attaquer les decks contrôle. Tandis ouais. que les decks aggro ils vont se faire rouler dessus s'ils amènent pas un peu, de, un peu de résilience à leur deck, donc les impératrices rentrent mieux dans aggro contre oh, contrôle que dans Midrange. Eh oui. Euh, 4 Détruire le Mal, ça c'est le tarif en standard. On ne nommera pas son nom, euh, récemment naturalisé française, mais obligatoire cool. et puis euh, enchantement aussi il y en a quand même pas mal dans, dans plein de decks qui, qui prennent détruire le mal donc c'est cool et trois accueil de Tokasia. alors là quand on se dit on va faire une game on a besoin de grinder on a besoin de piocher ça c'est excellent et comme ça trigger une seule fois par tour ça marche à votre tour et en flash avec tout ça pendant le tour adverse et ça régale ouais très très bien pour euh, se battre contre les interactions de l'adversaire exactement on va être parti avant ça le pouce bleu dans d'anticipation de confiance et oui Pensez qu'on avait oublié, mais pas du tout. Euh, merci au sponsor Playing by Magic Bazar, Code Valet PL 2023 sur la boutique. 50% de points de fidélité pour vous. Ça nous soutient. Merci beaucoup. Euh, et attention, 2023, donc 2024, c'est pas le même code. Donc si vous l'avez loupé, vous pouvez plus utiliser 2023. Merci beaucoup, Ultimate Gord également. Euh, lien d'affilée dans la description. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir en passant par ce lien. Merci beaucoup. Ça régale. Ça nous soutient directement quand vous l'utilisez. Si jamais, quand vous cliquez, le lien est en français, est en allemand, vous changez en haut à droite en français. Ça régale. On va essayer de faire en sorte que le lien soit directement en français dès qu'on peut, on n'a pas encore pu. Euh, et euh, chaque achat voilà nous soutient. Donc merci beaucoup. Merci à tous. On est parti Val. Qu'est-ce qu'on veut affronter là La question que je te poserai jusqu'à la fin de mes jours. Euh... Qu'est-ce qu'on veut affronter avec ce deck là c'est Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est bien contre tout. Go. J'ai l'impression que c'est bien contre tout. Je pense que les decks Esper Control avec plein de Sunfall doivent quand même pas te faire vibrer. Globalement, tout ce qui est capable de clean ton board en masse, sachant que ton jeu joue des chevalières et profite justement d'avoir un côté wide, c'est-à-dire un côté euh, board très large, très horizontal. Ouais. Euh, bah, du coup, tout ce qui va jouer des antigènes de masse, quand bien même ton deck est un peu résilient, tu vas en souffrir. En tout cas, ta mécanique de base va avoir du, ma du mal à se mettre en place. J'imagine qu'on veut éviter les jeux Sunfall, mais que tout le reste, euh, c'est pas pour rien que le deck est, est, est si populaire actuellement. Je pense que c'est assez fort contre un peu tout. Ouais. Je garde cette main Ouais. On sait pas contre quand, quand on joue. On a, on a des landes. Qu'est-ce que je fais Je fais ça tout un. Hein mm. Je vais révéler ça et jouer ça. On Donc, a du mec qui fait c'est vraiment une carte qui est là pour sans cesse. En fait, ça c'est indicateur du plan de jeu de ton deck. Dans un deck tempo, un deck agro, on voudrait jamais un vieux vétéran lunar qui s'est éclaté comme carte. Mais comme ton deck euh, ne vit que par le bord et la présence sur le board. Ben, mmh. On joue des vétérans Lunark. Ouais. D'ailleurs ce deck, ça m'aurait pas surpris de voir un petit Utah ou quoi peut-être en side. Genre de deck, euh, t'aurais pu tu vois. Tu pourrais, mais comme ce n'est pas ton plan de t'occuper de ce que fait l'adversaire ou de le disrupter, comme ton plan à toi c'est juste construire ton oppo, ouais. détruit, et tu reconstruis sans cesse. Je pense que du coup Utah euh, était pas pertinent. Euh, J'ai attaqué qu'avec un pour faire un token. Ouais, ouais, je ça préfère faire du board fait. plutôt que piocher que ici. Tout te fait, tout te fait. Parce que notre main, elle n'est pas très, très menaçante. Non, On devrait plutôt bien le, bien le taper euh, s'il joue effectivement 5 C-Ramp. Il suffit de trouver notre ouais. contre au bon moment et ça devrait ça. le faire. Il y a 6 contre, donc euh, ça peut le faire. Je là, crois là, que tu veux contre, piocher maintenant. Je veux piocher, je vais trouver des contres, exact. Et est-ce qu'un vétéran, c'est meilleur qu'une Mirex Quand Sunfall, non. Donc, je vais juste faire un tour. C'est pas mal aussi. On a encore un tour avant de se faire sunfoler. Sunfolu. Il va chercher ses petits landes. Il a bien raison. Il pré-shot le sunfall. Là, il va chercher une plaine. S'il va chercher une plaine, ouais, c'est. C'est indicateur. Il connaît. Eh oui, bien sûr. Il connaît. Petite anti-bête. Petite anti-bête. Bien sûr. Je pourrais garder du corps, hein. ça lui fait pas gagner 3 points de vie et il perce un truc. Est-ce que tu t'en fous pas Et en même temps, tu te dis que ton garde du corps il fait pas mieux Bah ouais. Je sais pas, son, ton garde du corps il va être bien pour attraper une Atraxa ou un truc comme ça. Si hein. je, je laisserai résoudre moi ça. Franchement, si elle fait du 2 pour 1, et il gagne pas ses PF surtout. Bon, T'as 22. Parce en là, fait, là, si au bout d'un moment, ça, il, va te mettre, il, va, il va te mettre un pâté. Euh, moi je ferai Mirex plutôt. Okay. Je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas si on est gagnant à le, à le faire. Sachant que si. Ouais, non. Je crois, je crois qu'on est bien avec ce mec e pierre et juste on gardera ce loup pour. Euh, ce renard pour mettre des points au cas où, tu vois. Zou okay. Gros board. Très bien. Très bien, très bien. Nice. Oh, le gros board Oh, ah, piétiner en sans cague Ouais ça je m'en fous. Ouais justement je vais peut-être pour euh, lui gérer. Ouais par exemple. Comme ça je commence à mettre des patates. Ouais je pense que tu le gères fin de tour, c'est cool. Parce que c'est une 3-3 là qui arrive en flèche. Et on gagne 2 pèves surtout. Très important contre lui. Il va, il va avoir du mal hein, contre notre deck lui. Hein. Ça va être compliqué. Je peux le sacrifier comme ça il euh, re rampe, c'est pas mal vas-y vas-y n'hésite pas hein. si t'as un play comme ça euh, sous-optimisé tu, euh, tu valorises un bon play la sous-optimisation la sous-optimisation ouais. sous elle est inversement proportionnelle à la création de divertissement dans ces vidéos il y a plus tu fais de la merde plus les gens Mieux Alors, y ah ben, j'y vais là hein. <laughs> allez c'est non ciao non ben, on peut sous-optimiser et accepter de perdre notre board ouais en vrai je rebuild avec sentinelle bah ouais. C'est fort. Hein. Ok. Bon, on est sur une euh, satellisation. Euh, ça, je de euh, ça, je veux. Et... Ça, je veux pas. Voilà. Et je crois que c'est tout. Hein. Est-ce que je veux des accueils ou des, des impératrices Impératrice ah, Tu euh... sais quoi Je pense. Non, impératrice, c'est trop mou, mais je pense que tu veux détruire le mal à la place des vertus de loyauté. De vertu ah oui de loyauté, bon. Ah, c'est bah, une 2 ouais, de deux en plus. flash, quoi. Oui! Mais je veux dire, ce n'est qu'une de deux en flash, ça ne me fait rien d'autre. Et comme t'as déjà, genre. Euh, 4, t'as 10, t'as 18 drop 1 et 2, ça ah va. Bah. Ok. Ah, j'aime bien vertu de Loyauté, hein. carte forte. Hein. Ouais, mais c'est pas fort contre lui, en fait. Ce que ouais. va faire vertu de Loyauté, il va l'écraser, malheureusement. Oh. Mais n'écrase pas ce que je fais, enfin. Ah, bah il va, lui, c'est vraiment. Tu fais un château de cartes et lui, il fait pas tomber une carte pour voir le château s'écrouler. Hein. Il aplati. Genre, ah oui, une il... carte, c'est fait pour il être là. Bam Tu vois J'ai gardé ma main, hein. j'ai des drop de en flash. Ah oh, oui, bah. <laughs> Double contre et, et bad flash, t'es bien. t'es <laughs> Gucci, là. Je suis même pas obligé, de tu sais quoi Je vais pas lui montrer. Euh... Bah, c'était pas si mal de commencer à les jouer parce qu'après, tu vas les jouer, tes soldats, en fait. Ouais, mais en fait, tu si j'ai de... un truc sur le board, ça arrive d'étape. Ok, ouais, quand t'as un soldat sur le board ça fonctionne. Ouais, ouais. ouais ok, Donc, tu pourras peut-être de fortifier euh, là. Et comme j'en ai deux... Hop. Euh, attends, je vérifie. Hein. Non, non, mais t'as raison. Donc, faut contrôler... Écoute, je ouais, crois ça. que je... je ferai chevalière ici, directos. Je mets non. deux points et je fais chevalière. Eh, tu peux pas... Et non, je peux pas... Ouais, jamais, ouais. En fait, faut profiter pour setup la chevalière tant que lui, il peut pas te vrasse le tour d'après. Et ensuite, nous, on aura nos mecs d'Isopir. En plus, regarde comme tu es Gucci, gros. Je suis régalé. C'est trop. Eh mais on s'en fout. Eh ouais, c'est mais on s'en fout. Eh ouais mais je m'en fous en fait. Le mal est fait. Le maléfice. Moi je me régale. Tu sais que vraiment je pense que ce deck est pété. Hein. Genre, euh, On n'a pas trop parlé de ce deck là parce que on est vite passé pendant les worlds sur le fait que ah, c'était Azurus Soldier, c'est connu et tout. Mais en fait, genre pas du tout. Il est trop smart ce deck. Il se place très bien. Ouais ouais et quand tu vois le nombre de decks en ce moment qui sont en train de performer, mmh. le nombre d'exemplaires de ce deck là, tu te dis ah ouais c'est lui il est passé sous les radars. Hein. Ça je crois qu'il faut contrer. Ah si t'en as deux, faut ouais ça dégage. Je crois que j'ai envie de contrer ça. Après je pouvais faire Sentinelle qui reprend un renfort et, et non, le rejouer mais. Fin, fin de tour renfort, tranquille. Ah renfort encore Ça met moins de patates que ça. Comme tu veux. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, j'en ai deux, je vais en jouer une là. Ah non, justement, ça mettait un de patate de plus de faire renfort. Non Ah non, ça fait exactement ah c'est de patate. C'est pareil, pareil mais c'est pas. Le... Ouais. C'est ok. Et j'ai encore un contre. Ouais, le problème, c'est qu'il gagne fait. pas mal de pev en phase donc euh, l'agression, elle est très molle. Non, mais tu peux, tu peux pas perdre cette game. C'est impossible. Il, il peut pas solutionner ton board et, et résoudre ses payoffs Je crois que je le laisserai résoudre celui-là. Comme ça, je as un crois Pour oui. la vraie, c'est un contre pour le payoff je crois que oui, ça me permet de mettre plein de board. C'est ça. Genre, sa sortie lui permet pas de matcher ce que tu fais euh, à aucun moment. Je peux renfort résolu. Je crois que tu fais doublé. Et bon re-renfort et activer tête de pont là. Euh, si tu actives tête de pont, tu peux mais pas tu peux pas contrer, mais. Non, non, du coup, non. Du Sauf coup, si tu l'état là, bien sûr. Non, 1, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eh, hey, je suis pas loin. Ouais, bah du coup, non. Je suis pas loin. Mais vous euh, voulez l'activer trop d'après pour l'étal une fois que j'ai double contré ce qu'il fait? Ouais. Là, on est sur une classe de maître. 3 hein. ah bah de la game de trop juste après. C'était d'une simplicité, genre vraiment on joue pas au même, on joue pas au même jeu. Euh... Euh, ouais, il faut que tu victimes un hein, du coup. Ou, ou ça? Ça, je mets du bord en même temps. On joue juste pas au même deck, euh, Simpli et toi. C'est non... enfin, on joue pas au même euh, au même format pardon, au même deck. C'est sûr qu'on joue pas au même deck ça, oui. Eh, viens, me jouer au même deck. Euh, pardon. On vient, on joue le même deck. On vient me faire des mirrors, là pour rigoler un peu. Euh... En vrai, un tu gros. peux enfin, rire un peu. Tu peux prendre un deck, tu le mélanges, tu le coupes en deux et tu fais une game pour voir. Mec, ça peut marcher en vrai. Mais non, mais sinon tu le coupes pas en deux, juste vous piochez dans le même deck. En vrai, c'est super sympa à faire, je pense. Ah ouais. Moi, tu pioches juste dans le même deck. C'est le principe du dandan -dan, mais le dandan c'est fait exprès. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant Exactement. de le faire pas fait exprès. C'est que cette vidéo si on s'arrête après cette game, et eh ben franchement, la vidéo c'est un staple, mais on en fait un short. Ouais, le problème c'est que ce sera un short. <laughs> Fini sur TikTok, c'est bon ou pas Nickel. J'ai pas joué de bête au cas où il fait un petit bête en réponse. Non, euh... Gros, c'est trop. Mais euh, normalement Genre, vraiment, là, c'est ce pliado là. Ce qu'on lui a mis c'est too much. Je mets 9 piles. Et je contre ça. Hein. Et ouais. Hop c'est pas faute d'avoir eu des cartes... Okay. Enfin, je veux dire, lui, il a joué, hein, mais... il a joué, il perdu. Mm -mm. Ah, vraiment, quand, quand on vous disait que c'était puissant comme deck, c'est vraiment très, très puissant. Ah, on va vous montrer quand même qu'il peut perdre, regardez. Je la lance de suite là. Je... Euh... Ni une, ni deux... Euh... Il, peut, il peut gagner aussi, hein. Il peut gagner, il peut gagner. Ah, bah si, il n'y a plus de serveur, par contre, sur un pas game. si, c'est bon. Serveur Un short un peu plus long. Ben, on fait deux shorts. Est-ce qu'un jour, on... sur TikTok ou sur YouTube, euh, la tendance va s'inverser et du coup, ça ne sera plus les shorts qui seront valorisés, mais les, euh, les longs Les vidéos de 10 heures <laughs> ouais, Moi, je veux que des vidéos de 10 heures. Ça serait Une quoi le nom, inverse, le nom inverse d'un short Un long. Un long <laughs> Tu as, tourné... as tourné ton long Ouais, ça fait deux jours que suis tu tues. Oh, là, le long. C'est un remake schlong. Schlong. Oh, c'est bien ça. Hein. C'est dommage que ça mette un stop pour signifier à ton oppo que t'as des mmh. soldats. En même temps, si ça Et... passait d'un coup il se dit ah il a pas de soldats dans la main il joue ça mmh. Ouais mais sur ouais, le... fin, en papier tu peux faire ça entre guillemets quoi Ouais Tu sais, tu peux dire ah putain ça arrive engagé <laughs> Tu vois ou pas euh, ça c'est chiant non Mes comptes coûtent plus cher ils trade tout mon board au sol mais est-ce que tu as du bord au sol Ouais, non, vas-y, tu peux le contrer. Je crois, tu... je crois que je peux faire contrer ça. Cela dit, il a l'air de jouer mono-white. Ça a pas l'air d'être ton pire match-up, mono-white. Non, ça va. S'il fait euh, un annonce du mariage, je compte, je crois. Ah, il joue soldat mono-blanc, lui. Intéressant. Mmh. Je crois que c'est contré aussi. Comme ça, tu ça fais aussi, double drop 2 ouais. le tour d'après. Nice. Trop bien. Je sais pas si je renvoie un renfort résolu là. Je pense que tu fais renfort sentinelle pour pouvoir faire une grosse chevalière. Hein. Ouais, mais je laisse tout sur le board quoi, je renvoie rien dans ma main. Ouais, 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 pour avoir la meilleure chevalière possible. Ok. Relou lui par contre avec son double lord là. Hein. Un peu relou. Ah oui, j'ai qu'un mana bleu qui me pique pas. Oh, bah renfort avant ouais de toute façon lui tu sais que ton board il le touche pas ah il fait rien lui tu vois ça sera tout propre Eh ben même sentinelle sur rien hein. bah non sentinelle garde là pour récupérer ta chevalière ah oui ok là tu peux du coup engager 5 on va lui faire de la value bien crasse à ce type tu vois là je clique ça marche pas Oh Orbin et sentinelle ouais mais putain, mais pousse. pourquoi ça t'a laissé... Oui Mais non, mais f... pourquoi ça t'a laissé Sentinelle up Laquelle Nous. Bah, ça t'a laissé la Sentinelle pour taper. Mais en fait, on voulait l'engager pour avoir Sentinel du Zephyr et, et pouvoir reprendre Chevalier Fin de tour. Ah, le faire maintenant Ouais. Bah, l'idée, c'est que tu fais vite ton board et puis après, il a perdu, lui, de toute façon. Il a quoi comme trick, ça Il a Eganjo Il a Eganjo, ouais. Ah, justement, là, t'aurais pu bloquer et le sauver d'Eganjo, quoi. Ah, ouais, non, on s'est pas compris. Ouais. Ah, c'est moi en qui engage à la main. Ah, c'est toi qui l'as fait Je crois que c'était le jeu, moi qui. Euh... Non, ça me propose quand tu peux euh, Convoque Et en fait, ah. je t'ai dit, on peut même mettre sentinelle. Tu m'as dit euh, non, non. Et du coup, en fait, j'ai euh, pas utilisé même ma sentinelle. Euh, D'accord, ok, ok. Ah, L'idée, c'était justement de garder deux à up pour récupérer notre chevalière et, et refaire n'importe quoi. Par contre, oh, ça, c'est quand même un start Il est pas content, on va là. On s'en sortir dans cette game. Ne nous inquiétons pas. Hop, les guerres. Quoi qu'il fait Il a Iganjo. Il avait Iganjo. Je reprends dans la main euh... ou pas ouais, 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 bien sûr. C'est plus intéressant de sauver Ardin, mais. C'est gratuit. Et Du coup, trigger pas. Ah, si, quand même Ah oui, parce que j'ai attaqué avec 5. Hmm. Solide. Je me demandais. Eh ben, il est fort en pomme, hein, 13 cartes. Ouais, mais bon, en vrai. Il est quand même dans mmh. le jus, si tu vois ce que je veux dire. De sûr, faut que tu joues ta vertu, parce que dès que tu as un cinquième mana, tu fais faire tu ouais. royauté et tu gagnes. He's in the deuce. Je crois que j'aime bien mettre ça. Tu mmh, crois que tu préfères faire sentinelle et vertu, sentinelle comme et vertu. ça tu sentinelle un renfort, ouais. Ok. Bon. Enfin, dans tous les cas, il est dans le Genjutsu, le pauvre. Genjutsu Ouais. Et dans le Genjutsu, il y a le jus, tu vois. Il est dans oh, il le, le jus. Ju, du, genjutsu du, dessus. Du genjutsu. Je crois qu'on veut ça. Et ça, et ça. Pas impératrice, je pense. Pas impératrice Parce qu'on trade ouais, ses bêtes et... avec les plus 1, on exile ses lords. Bon, peut-être que c'est un peu cher. Ouais, je pense que juste en faisant full board, il peut pas te battre. Donc il faut enlever les protégés, négociateurs. Et les mecs d'Isepierre, je pense. Ah, si t'enlèves tous les mecs d'Isepierre, tu peux peut-être vouloir euh, l'impératrice vagabonde ou des détruire le mal, que ça soit pour l'annonce du mariage ou les, euh, ou les Adeline. Peut-être que c'est mieux de détruire le mal que deux impératrices. Ouais je fais 1-1 le split. Et là t'es full. Non je pense que c'est bien comme ça. Je dois le faire. Ouais on veut pas trop contrer, bah, surtout s'il y a des Italiens. Ouais ouais. Non, enfin, ça il se trouve que, que là ça a marché parce qu'on a contré Thalia mais sinon c'était chiant. Ouais si ça, ça marchera pas dépense. dans l'autre sens. Vu qu'il commence ça marchera pas là. Ouais. On va qui hein. C'est pas as idéal quatre, mais. T'as 4 bon. cartes avec Ottawa on dira. Tour Dommage. Quand ils ont monté ce deck, ils ont dû euh, commencer à assembler plein de cartes de tokens et tout. Faire des chevaliers, les reprendre en main, ils ont dû se dire putain on fait n'importe quoi, ça me régale. Ils se sont appelés, ils dit Oh je, je tiens quelque chose là, voilà, non Je vais faire ça ah, en flash, non Ouais, c'est probable qu'ils soient dit ça. Hein. Tradia. Un tour 1 dans le tour 2 euh, dans l'ordre dans, dans Lord, hein. C'est pas facile là. Oh, il aura pas le toss à la 3 quoi au moins C'est ça J'ai rien joué je suis à 12, je suis très content Ouais, 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 ouais. Ben ouais, écoute, on va juste vers tu fin de tour. Et puis après, on pourra faire renfort à Arbin en espérant que ça suffise. Mais ça va être chaud. Tu fais sa meilleure sortie après. Drop 1 dans Quand toi, t'as annoncé du mariage to Lord. Plus drop 1. Bon, bah, Pouletto, Scaloban, s'il s'agit de nous faire caca dessus, tu le dis. Oh, belle. Là, vraiment, il te. Il te la pose sur le torse. Ah ouais, là. Une belle danse. Je crois qu'on va trade, non C'est moche. Euh, ouais. Et non, je crois pas, je crois que ça ça reste. En 6, à... ouais, je suis perdu de toute façon. Je pense, il n'y a pas de galère. Je peux être à 1. Tu peux renfort into Arbin. Ouais, sinon j'annonce. Et je suis à 1. Ouais, ça me l'air très compliqué cette histoire. C'est quoi le mieux C'est annoncer ou Arbin plus renfort bah, Annoncer, comme ça, ça commence à mettre des marqueurs et. Ok, ok. Vas-y, si. vas-y, Par contre, ça meurt sur l'ordre. Oui, bah, on meurt sur beaucoup de trucs là. Antibète et l'ordre on est mort. A-t-il la meilleure sortie du canto Je pense que oui. Je crois que même Adeline, ça nous tue. Oui. On est pas mort. Oh, je double-bloque le, le lord. Oh, comme ça au moins il est mort. Et nous aussi. Hein. Mais au moins lui il est mort. Comme ça je suis le fédérant. Moi j'aime pas le fédérant. Ah Comme ça si je joue deux spells je suis rect. Et c'est ce que je vais faire. Donc c'est ce que je vais pas faire. Non mais Pars par d'ici là. Euh, je peux mettre assez de bloqueurs pour survivre. Non Ouais non je crois pas. Pas, enfin, je crois pas que ça soit très utile là. C'est pas très bien. Je crois pas. Gagnons du temps. C'est pas très bon. Ouais. On peut encore euh, faire deux shorts, si je pars maintenant. Plutôt que un long. Mec, je suis chaud de faire des longs. Allez, vas-y, on va l'attraper le... là sur le... Ouais, play. Cool. En fait, quelque part, est-ce qu'un stream, c'est pas un long Un stream, c'est clairement un long, ouais. Qu'importe en fait, le stream, était... pourvu qu'on ait le long. On, est... on était visionnaire, hein, quelque part. Ouais. C'est nous les premiers qui avons fait des streams. Et qui avons appelé non. ça des longues. Mais voilà, c'est nous les premiers eh. qui l'avons appelé des longues. Parce que faire des vidéos de 30 secondes, je pense qu'il y en avait pas mal qui le faisaient avant les shorts. Hein. Eh oui. Ça s'appelait des pubs. Oh, il a Patalia, ouais. je suis Gucci. Mec, je pense qu'il a pas Talia. Je pense hein. Il a Patalia. Moi je pense qu'il a Patalia. Oh, il me met un truc que j'ai pas envie de trade. Quel enfer! Je trade? Non, 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 non. Toi, toi tu bénéficies beaucoup d'avoir du board. Hein. Je trade pas. Putain, on a plus les vertus, là. Ah! C'est un peu comme Talia, mais. Ouais, on va faire renfort, quoi. Quoi qu'on aurait pu lui laisser le choix de faire le mauvais choix et de prendre notre renfort. Parce que, de toute façon, nous, on ah. allait faire notre annonce au tour 3. Si jamais ouais. il faisait le mauvais choix. Ouais, c'est vrai que j'avais pas besoin de le jouer. jouer. On aurait pu lui donner la possibilité de faire le mauvais choix, mais globalement, je pense qu'il l'aurait pas fait. Ouais, c'était et... peu de chance quoi. Faut arrêter de ça va les Landes par contre là Ça, ça va quoi Oh bien les Landes. Je sais pas pourquoi il a gardé Gobacan contre nous. Ça a pas l'air incroyable. On pose plein de boards, ce qui fait qu'il peut pas attaquer dedans. Mmh. Et nos cartes ont pas OCM, donc ça retarde. Pas tellement l'échéance. Bah, bah, pas persuadé que ce soit okay. bien. Ce serait bien d'avoir un actif pour pas qu'il retourne ça. Parce que sinon c'est terrible. Ouf Super Super Nickel Juste ce qu'il nous fallait. Le jeu sans chevalière, il est quand même moins aidé. Hein. Il est moins bien. Hein. Annonce taxé. Euh, chevalière pas piochée. Ouais, pourtant <laughs> je pense que notre match-up, il est plutôt bon. Hein, oh, mais il y a un petit truc d'automne, là, j'avais pas vu autour des portraits. Rigolo. <coughs> Très joli. Oh, Mina Hacker. Très belle version de Thalia. Bon, on va chumper avec le vétéran. Oh. On va chumper avec le vétéran. Faut repiocher encore un actif. C'est un enfer, le match-up. il pioche très bien, mais... Ah, je crois pas que le match-up soit un enfer, justement. Juste là, il se trouve qu'on trouve de la merde et il trouve des bons trucs. Tu veux bazarder ton board ah, S'il retourne euh... ça, le il il plié. Okay, okay. En vrai, il va le retourner. Okay. Je pense qu'on a perdu la game, mais... Ah, putain. Juste quand on trouve la chevalière, quoi. Quel enfer. Je crois Que tu. Je cheval quand même. Je crois que tu J'espère ouais. qu'il a pas anti-bête. Ah, si je fais juste mon vétéran là, c'est pourri quoi. Ah oh bah, t'as vu Oh putain, on n'avait rien à prendre. Que de... Ah ouais, que de la merde. Incroyable. Nickel. Bon, là il va retourner son invasion, mais s'il a pas d'anti-bête, ça lui coûte une carte. Qui sera le Qatar Ça lui coûte pas une carte. Enfin, ça lui coûte pas le Qatar. Ouais c'est bien vu. <laughs> ah ouais, ouais maintenant on maintenant bien vu un dit, double lord. Euh, double lord 12 cartes, je suis régalé. Gros, il te fait, il te fait les meilleures sorties de la planète. Ah c'est le, nous... le short hein il nous, il, il, il nous démoule parce que lui sort bien et nous on sort assez mal, il pioche pas mal de landes. Ouais. Le chevalier arrive trop tard, c'est la vie Oh ça met 1, ça pour 3, c'est cheaté non Cheated Allez hop, pour 6, je mets une 1-1, tu vas faire quoi T'en foutre, t'as bien raison. Mec, en vrai, pour l'instant, il te fait rien, lui. Hein. Oh, eh ben, il va trouver son troisième lord et on va partir euh, aux toilettes. Tu penses On va aller aux toilettes, c'est là ouais. où on se dirige nous, nous irons aux toilettes. Ah, voilà Oh, il te, il te met la max. Enfin, il essaye, quoi. Yes Bon, il a raison. Hein. On va champer la 5-4. Et enlever un lord, ouais. Bon, au moins il l'a plus. Ouais, ouais Et nous on a perdu. Et nous on l'a plus non plus. Pourquoi, Ouf Pourquoi toutes ces bêtes qui curvent euh, sont des mille mille Mais gros parce qu'il a pioché 4 mana, il pioche que des actifs. Euh, toi, tu, toi tu pioches plein de landes. On est, on est pourri là. On est pourri, on s'est fait, fait battre. T'as 4 gardes du corona aussi pendant dans ton deck, mais lui il trouve ses katas. On est chocolat. Je sais même pas si tu peux encore vivre. Je vais voir. Tu as... Tu absorbes un vétéran, tu chumpes avec tes deux bêtes. Je suis même pas sûr que ça suffise. Genre là, il pioche que des plaines, je suis Gucci. Non. Je crois même pas. Yes. Zou. Je peux prendre le Qatar pour récupérer une bête de plus. Prends le Qatar et tu fais un chump plutôt que de prendre directement le vétéran, ça revient en même, sauf que là tu lui manges le vétéran. Ah oui, mais t'enlèves le Qatar, cela dit. Ouais, mais en vrai non, faut que j'enlève de toute façon. Ouais. Je nerf tout de 1. Tu mmh. chumps la 4-3. Hop, ça on fait gagner on est, un on PEV. Est mort, whatever. Non, on n'est pas mort, on passe à 2. Mais tu vas lui rendre du coup. Euh... Ah, tu bloques l'autre vétéran avec ton garde du corps. 6, 7. Ah, on passe à 0 hein. là. Pourquoi t'es à zéro Ah oui non, comme ça. Voilà, ouais. pas à zéro, là. Hein. Ouais. Du coup, je gagne pas de PEF, je crois. Ah si, grâce au First Strike, je gagne un PEF. Ah bah, merci le First Strike, du coup. Merci bien. Merci, euh, Mila Hacker. Ah non, On ça marchait un... quand même. On a pas un petit Sunfall, là, qui traîne J'ai rentré que des Sunfall moi. J'ai rentré, adieu, Sunfall. Adieu, je peux pas le caster. Ah il y a plus une plaine. Est-ce que j'ai gagné Ouais je pense que t'as gagné ouais. Écoute, comme tu l'as si bien dit, il fallait montrer que le deck est capable de perdre. Euh, ouais. Oui, il est capable. Quand on Oppo aligne les étoiles, euh, il en est tout à fait capable. Alors juste... Euh, je vais regarder un truc. Tu vas regarder quoi Je vais regarder le pourcentage de représentation de monoblanc soldat. Euh, c'est joué, c'est relativement connu. C'est 6%, cas. ok. Ouais, ouais, non, non, c'est. C'est autant qu'Azorius. Euh, récemment j'ai joué, j'en ai jamais affronté un. Donc je me suis dit, peut-être que on est tombé sur, euh, sur le mauvais match-up grâce à l'algorithme. Mais non, non, c'est représenté. Je, je pense pas que ça soit le mauvais match-up, je pense juste qu'il a fait de très bonnes sorties là où toi ouais. t'as un peu pataugé. Mais on a trouvé beaucoup de cartes non-créatures quand il a ses minas à chaque game ça. Alors que on a plein de créatures à côté. mais, mais il, fa... il fallait nous arrêter parce que là, on partait directement sur une euh, satellisation, le meilleur deck du format. Donc voilà, il fallait un peu, il fallait non, rabattre le. quest Moi, j'aime bien perdre contre une immense sortie en face et une sortie de merde de mon côté. Ça me fait me rappeler que je suis humain. Tu vois Ah oui, oui, bien sûr. Nous ne sommes que des humains. Après. Bien joué euh, à notre adversaire. Et on vous remonte la petite décliste qui régale hein, quand même. Si vous affrontez pas voilà. Mono White, euh, Mono White Circus parce que là c'était euh, cirque Pender, Mono White Jesus, vous pouvez faire des trucs. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description, avec notre chaîne Twitch Valpeil Magic Arena FR. et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.